Alors, les Irlandais nous disent le plus grand bien de la région où nous allons, Kollakilly. Ils nous garantissent pas le soleil forcément, mais a priori, on devrait ne pas être déçu. Donc, on verra ça d'ici quelques heures. Et donc, qui nous retrouvons une cousine de Jeannot Lapin. Pas quoi faire de vos vieilles bottes. On peut les transformer en pot de fleurs. Sympa, non? Efficace. Ça garde bien l'eau, hein. Petite rue typique de Kinsale. Et je pense que les tables qui sont là peuvent nous accueillir en fait, sans problème. Alors allons voir. Ici, on fait les courses en musique. Si ça, ça donne pas envie d'acheter, je sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Tu fais un hold-up? Apparemment. Ouais.
Ici aussi, la presse écrite relate les pires horreurs. Et ça, c'est The Baker. C'est même plus qu'un Baker. Hein. Le port de Kinsale. Excellent abri. Crosshaven, un joli petit port, là aussi un abri plutôt sympa. Ici c'est arrêt Fish and Chips, Listless. Si. Et on ne rigole pas. Bye. Alors ici, les portions sont des vraies portions d'hommes, hein, je peux vous dire. Ça rigole pas. Bon, goûtons voir. Alors on nous dit que la première chose à visiter à Cork, c'est l'English Market. Donc, allons voir. Bon, quand on a été habitué au chocolat 6, vous allez me dire... La transition est peut-être forte, mais pas forcément. Wow, très joli marché. C'est un très joli marché, effectivement. Que des produits frais. Locaux. En fait, quand je dis produits locaux, je devrais plutôt dire produits du monde, du bruit de mots. Alors on s'est arrêté là, en fait on a été capté par le vendeur qui est français et qui nous a parlé de son vin et voilà. Oh, les fraises, les fraises, les fraises, strawberries. Alors comment résister? Comment résister à un marchand de glace? Impossible de résister. Alors, alors là, c'est vraiment le véhicule typique. Bon ben voilà, le résultat est là. Donc, ice cream au caramel. Kao? Ouais. Et toi, Andrea? Caramel sundae. Ah, yes. Yeah. Of course. Same, same.
une tuerie. Oui, c'est bon. C'est... Mais on est au bout, là. On va entamer l'arrivée sur la presqu'île. Là. Ouais, mais c'est pour 35 km. Ah ouais? Oh, quelle heure il est, donc? Il est 10h30. Shoal Harbour. Tout au fond là-bas, je vois une voile qu'on verra sûrement pas à la vidéo. C'est un super abri. Aujourd'hui. Ah, ça s'en passe encore. Madame, réchauffe-toi. Il fait pas très chaud dehors, aujourd'hui il y a quand même du soleil et donc on se réchauffe à coups de café au lait et de thé au lait et tout ça à Crookhaven. Qui connaît pas Crookhaven? Et tu vois, on est arrivé avec une carte comme ça et sans GPS, et bien quand tu regardes l'endroit et que tu arrives de nuit en plus, non pas de nuit, c'était à pénombre.
petite pause à Baltimore, cité des pirates. Puisque Baltimore fit sa richesse grâce au piratage, figurez-vous. Bon, c'était dans les années 1200-1250. Premier qui me dit que l'Irlande c'est pas beau, on va pas être copains. Stone, qui va 21 décembre. Donc, ce sont les deux portes. Et là, dedans, tu vois le soleil solstice. Donc, en fait, le soleil au moment du solstice d'hiver est dans l'alignement des deux là, des deux rocs. Bon, ça, c'est un jour où il pleut pas, ce qui est quand même pas gagné. Hein. Donc voilà la pierre ou l'autel des sacrifices. Donc ben voilà, les pierres sont disposées en cercle. Il y en a 14. Et tout ceci a été mis en place, dit-on, 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui ne nous rajeunit pas. Bon, bah, il a fallu remplir le réservoir, les réservoirs. Ici, le prix du super est à 2,05€.